Qui nous donne l'idée ou l'image de l'homme normal. Donc, c'est-à-dire l'esprit dans le corps humain, mais qui est doté des attributs du Créateur, qui est doté des caractéristiques du Créateur. Bon. Et donc, on dit que Dieu a fait résider dans son Fils tous les mystères de la science de l'intelligence. Et par ailleurs, il est dit que il a toutes les divinités, voilà, de la divinité, c'est-à-dire ses caractéristiques. Donc, on le voit bien dépositaire caractéristique de son père, qui constitue l'héritage de l'homme en général, c'est-à-dire de tous les hommes, parce que c'est sur cette identité que se rencontrent tous les humains pour être tous la race du Créateur. Ils doivent rentrer dans une identité commune avec le Messie. Bonjour, petit frère de Serge. Bonjour. Il venait comme ça me chercher. Ok. Merci. Je peux écouter, j'écoute. Bonjour. Non, mais vas-y. Nous parlions de l'identité du Messie. L'identité du Messie. Où les Écritures nous rappellent que en lui, son Père a fait résider tous les mystères de la science de l'intelligence. Cela nous l'envoie dans ce qui caractérise le Créateur, ses attributs, ses vertus, donc ses caractéristiques ensemble. Donc il les fait habiter pleinement dans lui. Bon. Et cela nous montre clairement que cet héritage-là constitue l'identité de tout homme et de toutes les générations. Vous voyez bien, c'est-à-dire que quand le Messie vient, ce dont il est dépositaire doit être mis à la disposition des hommes. Tous les hommes, parce que c'est dans cette identité que tous les hommes se rencontrent, de toute génération. Ce qui fait d'eux des esprits de la race du Créateur. Des hommes à la réplique du Créateur. Mais maintenant, il va falloir qu'il y en ait, qu'il soit dépositaire de ces trésors pour qu'il soit mis à la disposition des hommes. Voyez, pour qu'il le distribue. Donc, ce qui fait en fait que quand on prend les messie, on prend l'exemple à partir de nous, c'est-à-dire cette disponibilité de l'esprit, ou alors de l'assiette, à être remplie pour pouvoir participer à distribuer, prédispose l'assiette à être remplie. Cela ne va pas dépendre d'elle, parce que l'individu rentre là en phase avec le destin du Créateur, pour l'homme. C'est ça même qu'on appelle l'amour réel. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es une assiette, un vase, dans lequel on doit remplir, dans lequel on doit mettre le trésor qui est concerné partout, dont tous les hommes ont besoin. Ils doivent
Il doit être distribué. Donc c'est, ce vase n'existe pas pour lui. Et on prenait l'exemple là, tout à l'heure. Imaginez quand vous êtes rentré là. Enfin, vous avez besoin d'eau. C'est un besoin crucial. On le distribue. Je voudrais vous servir de l'eau. Je mets de l'eau dans le verre, mais je me rends compte qu'avant d'arriver chez vous, le verre a séché toute l'eau. Et je vais continuer à m'en servir. Parce que ce n'est pas ça la vocation de ce verre. La vocation du verre, c'est qu'il soit un être, un élément qui me permet de partager. Un être de partage. Ou alors les assiettes, on met des aliments dedans, à peine on veut les amener à table, on trouve que les assiettes ont vidé la nourriture. Ces assiettes, vous allez leur dire que plus jamais je ne mettrai rien en vous. Oui, c'est ça. Parce que ce que le Créateur a, c'est lui-même. Et ce qu'il a, c'est l'héritage de l'homme. Il doit le mettre à la disposition de l'homme. C'est là où les écritures disent que le Messie est venu, il s'est appauvri pour enrichir. Ça veut dire, ce dont le Père l'a rendu dépositaire, il vient le dispenser. Il le met au service des humains. Il manifeste l'identité, la personnalité de son Père. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui ramène tout sur lui. C'est-à-dire comme Satan le fait. Satan, lui, la position ascendante qu'il a sur l'univers, il ramène toute la milice de l'univers sur lui. C'est-à-dire les mots, il s'en sert pour se faire adorer. Le temps, il s'en sert pour se faire tout. Il ramène sur lui. Mais celui qui a été des caractères, il fait totalement l'inverse. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que nous étions en train de parler. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette disposition à nous, nous allons demeurer pauvres. Ce n'est pas le Créateur qui nous investira de lui. Parce que si le Créateur doit nous investir de lui, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour que les autres soient bénéficiaires. Oui, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un miracle pour que nous, l'esprit qui est en nous, rentre dans la personnalité, c'est le Créateur qui vient le faire. Mais il faut que cet esprit soit en phase avec ses desseins. C'est-à-dire que ce ne soit pas un esprit détourné, qui est dépendant de Satan et qui pense comme Satan, qui ne se soucie que de tout ramener sur lui, et qui ne prie Dieu que pour que Dieu lui donne pour lui. Non, ça ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre qu'on évoque comme ça. C'est-à-dire, quand on a cette compréhension, ce n'est pas lui qui nous anime, c'est un autre. C'est ça. Et en fait, hein? Ça c'est... Moi, je pense à nous. Et surtout au fond, je vous dis, c'est ça qui nous rend pauvres du Créateur. Parce qu'en réalité, l'identité du Créateur, c'est l'héritage de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend du Créateur. C'est lui qui l'a établi comme ça. Vous voyez bien, c'est lui. Et vous verrez que quand c'est le Créateur qui s'établit en nous et qui ramène les éléments de l'univers, même les éléments de l'univers ne seront pas pour vous, ils seront au service. Quand c'est un autre qui est assis, c'est là où il ramène les éléments de l'univers sur vous, mais c'est pas sur vous-même, mais sur lui-même en vous. Et ça se vérifie les mailles où c'est pourquoi on voit pourquoi est-ce qu'il a. Saül sera déchu de la réalité. C'est-à-dire parce que Saül, lui, il avait l'intention de tout concentrer sur lui. C'est-à-dire qu'il lui voit Israël. Et Samuel est venu dire que bon, l'Éternel t'arrache. Et il la donne à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est bien ouvert. Oui. Et tout le bonheur de l'autre. Cet instrument de parentage. Donc c'est cela. Ce sont les clés qui nous permettent de rentrer dans la sphère du Créateur. Ce sont les clés. Parce que dans le fond, si que nous sommes dans les régions inférieures de la terre, personne de nous, de lui-même, ne peut sortir de ces régions. Encore qu'au-dessus de nous, il y a des forces qui s'opposent à ce que nous sortions, que nous les traversions pour aller dans la région de lumière, c'est-à-dire le royaume du Créateur. C'est le Créateur, lui seul, qui est capable de venir vers nous. Je veux dire, vers l'esprit qui est en nous. C'est-à-dire pour le doter de ses facultés. C'est lui qui vient. Parce que quand c'est lui qui vient en nous, pour nous ramener vers lui, en chemin, il n'y a pas de force capable de résister. Oui, mais pourquoi on demeure dans les ténèbres? C'est qu'en réalité, quand nous prions même Dieu, on dit Dieu. Mais c'est pour que nous soyons sauvés. Mais le Créateur ne vient pas vers vous pour que vous soyez sauvés. Il vient vers vous pour que vous participiez à l'enrichissement des autres. C'est pour ça qu'il vient. C'est ça. Donc c'est de ça que nous étions. C'est là toute la clé. C'est là. Parce que vous voyez l'univers multidimensionnel, spirituel et matériel. C'est la propriété du Créateur.
Vous voyez bien. Donc, l'ensemble des composants de l'univers doivent participer à accomplir les desseins du Créateur. Donc, ça veut dire que les esprits, les hommes, donc, qui sont dotés de ces facultés, c'est au travers d'eux qu'il ramène ces éléments à faire ce qu'il veut. Et nous le disons que Satan lui-même, quand vous voyez bien ce que les Écritures présentent, une créature exceptionnelle à la base, dotée de facultés exceptionnelles par rapport à la créature, hein, par rapport à la hiérarchie de la création. Mais lorsque Satan a ramené tout sur lui, même ce qu'il a, le Créateur, l'a subordonné à ses héritiers. Même ce qu'il a, cela lui est arraché. C'est-à-dire que le Créateur, quand il dote Blaise de ses facultés, même ce qu'il a, le Créateur le met au service de Blaise. Et c'est ça la justice. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, il le met au service de Blaise. Donc, ça fait qu'on dit le Créateur est méchant. Mais le problème, c'est qu'il y a une identité qui s'est construite en nous, qui nous excite au conflit d'intérêts avec le Créateur. Cette identité a des désirs, a des visions. Cette identité, c'est celle de l'autre. Donc, qui nous amène totalement à fonctionner à contre-courant de ce que le Créateur est. Alors que nous sommes des récipients, des vases. Mais qui les remplit? C'est lui-même. Quand vous allez acheter un vase au marché, ce n'est pas le vase qui s'est rempli. C'est vous qui l'avez acheté. Et c'est vous qui savez pourquoi vous l'avez acheté. Et c'est vous qui le remplissez. Ce n'est pas le vase qui s'est débrouillé, c'est rempli. Les esprits qui sont en nous, c'est le Créateur qui les a mis dans le corps. Et c'est lui qui doit les remplir. Et pas de n'importe quoi, mais de lui-même. Pour que l'héritage qu'il met en eux, que tous les hommes en bénéficient. Et c'est là la clé de l'élévation. C'est là la clé du pouvoir. C'est ça. Et c'est ce qui a fait la force du Messie. Parce qu'il dit bien, Père, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. C'est l'esprit qui parle. Tu m'as formé un corps. C'est toujours l'esprit qui parle. Donc pour dire, tu as fait de moi un récipient. Père, je te le dispose. Et qu'est-ce que le Père va en faire? Mais il va le remplir, mais pas pour lui. Pas pour qu'il se concurrencie à la création, mais pour qu'il participe à enrichir les autres. C'est cela. Et on a été pris prisonnier par Satan, mais dans une fausse vision des choses. Chacun ne s'active que pour le faux lui. Oui. Pour le faux lui. Pour le faux lui. C'est-à-dire qu'en fait, cette façon de voir les choses qui nous donne une idée de nous, qui est contraire à ce que nous sommes réellement. Parce que les esprits qui sont en nous, leur origine, c'est le Créateur. Vous voyez bien. Donc, ça veut dire que, oui, leur origine, c'est le Créateur. Quand tu les entraînes sur un terrain étranger, comme lorsque autrefois le Créateur sortait Israël de Canaan. Il dit, je t'envoie sur une terre étrangère. Canaan, c'était la symbolique du royaume, symbolique de l'identité du Créateur en l'homme. Lorsque tu es en dehors de cette identité, tu es en exil. Ouais, tu es un exilé. Oui, tu es en exil. Un peu comme tu étais quand je faisais le cracher le peuple. C'est cela. Donc ça fait qu'on lit des prophéties, comme des vues de l'esprit, comme des choses détachées. Mais pourtant, on parlait là de l'identité réelle de l'homme, de ce que nous sommes appelés à être. Et participer pour que les humains le deviennent, qu'ils soient enrichis. Papa, je vois aussi cette image. Hein. Le riche qui a fait ses récoltes, il allait faire des récoltes là. Il est venu, il a dit qu'il a conçu des greniers pour avoir mangé pour des années. Oui. Le père lui a demandé insensé. Il lui a dit insensé, c'est lui-même. Ton âme te sera réclamée. Oui. C'est quelqu'un qui avait une vision diabolique, oui, non seulement de lui-même, une fausse vision de lui, une fausse vision du monde. C'est exactement cette vision d'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a fait présenter Satan de cette manière. Comme les humains sont dépendants de la vision de Satan. Donc ça fait qu'on a fait un Dieu, on a peint un Dieu méchant. Totalement méchant. On revient à dire que Satan, en fait, la nature de Satan est très égoïste. Oui. Non, elle est égocentrique. Elle n'est même pas égoïste. Elle est égocentrique. Oui, égocentrique. Et lorsque tu restes encore dans ton état avec lui, dans la communauté, tu participes. Mais tu participes
à son royaume. Mais dans l'élévation de son royaume, c'est lui qui se toi aussi, tu es égoïste et puis tu rentres toujours autour de toi. C'est ça, égocentrique. C'est égocentrique. C'est égocentrique. C'est égocentrique. Il faut comprendre que ce dont nous parlons ne se concentre pas parce qu'on a tellement aliéné les gens avec l'argent. Ou les gens ne pensent que l'argent. Bon, mais au-delà de l'argent, regardez bien, le temps, c'est la propriété du Créateur. Le temps, c'est la propriété du Créateur. Les mots sont la propriété du Créateur. La lune, les étoiles, Satan lui-même et d'autres créatures spirituelles, le sol et son produit, c'est la propriété du Créateur. Ça veut dire par exemple que les mots qui sont plus utiles que l'argent, parce que l'argent est en contact avec le corps, mais les mots sont en contact avec l'esprit, avec l'homme réel. C'est-à-dire par les mots, tu éclaires l'esprit à rentrer dans son héritage, par les mots, tu peux obtenir ses esprits. Donc les mots sont plus utiles que l'argent. Mais quand on a enfermé les humains dans la dimension corporelle, l'argent est devenu plus utile que l'utilité. Vous voyez très bien? C'est ça. Donc, une aliénation terrible. Donc maintenant, ce que Satan fait, les mots, il s'y appuie pour ramener sur lui, vers lui, le temps. Il s'y appuie pour le ramener à lui. Tous les composants de l'univers auxquels il a, sur lesquels il est ascendant, il s'y appuie pour les ramener sur lui. Oui, donc il concentre tout sur lui. Sur lui. Alors que tout doit participer, écoutez bien, tout doit participer à enrichir l'homme, c'est-à-dire à élever l'esprit de l'homme dans son identité réelle. Tout, y compris Satan. Tout. C'est-à-dire que toute la création est faite pour participer au partage, c'est-à-dire enrichir l'homme. Vous voyez le soleil là, s'il brille pour lui-même, il est inutile. Il est inutile, tout à fait. La lune, si elle brille pour elle-même, elle est inutile. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Hein. Tout à fait. Satan nous a rendus inutiles, comme lui-même. Oui, inutile à la création. Seulement, il a fait déposer en nous ses caractéristiques. Ses vices, la haine, la méchanceté, donc on les partage, sans le vouloir. Voilà. C'est ce que j'allais dire, qu'on ne peut pas ne pas partager. Non, oui, mais c'est en fait dans le sens inverse, c'est-à-dire, je parle dans le sens inverse, parce qu'il ramène des choses autrement. Exactement. Voilà. Maintenant, quand nous revenons, je vous dis, il est facile pour l'esprit, et c'est le plus facile que le contraire, que l'esprit rentre dans les caractéristiques du Créateur. Parce que ça ne dépend pas de lui, c'est le Créateur qui le fait. Mais si cet esprit se considère comme un récipient qui doit être rempli pour participer à partager. C'est facile. C'est facile, ce sont des clés simples. Je comprends même comment la parole de Père nous dit que il fait pleuvoir sa pluie sur la pluie, fait tomber la pluie sur le bon et le méchant. Mais si la pluie pleut pour elle-même, d'ailleurs que souvent quand elle tombe, c'est les hommes qui apprécient ou qui détestent, c'est pas elle-même. Quand le soleil brille, c'est les hommes qui apprécient ou qui détestent. Vous comprenez très bien? Donc c'est ça le mystère de notre univers. C'est le Créateur qui a fait habiter pleinement dans le Messie toute sa vie. C'est lui, ce n'est pas le Messie lui-même, c'est son Père. Et c'est lui qui le fait. Hein? Oui, mais pour faire quoi? Il dit, il est venu le Messie pour enrichir. Il s'est appauvri pour enrichir. C'est ça sa vocation. Et c'est ça notre vocation. Et Satan a changé notre vocation. Et puis, il nous a convaincus qu'il est impossible d'être comme le Messie. Mais qu'il est facile d'être comme lui, Satan. Oui. C'est ça la clé. C'est ça. Comprendre qui nous sommes et comprendre notre vocation dans cet espace, ce système solaire. Je vous dis, nous sortons de la pauvreté, nous devenons l'intelligence. Oui. Intelligence définie comme attribut et caractéristique du Créateur. Hein? Parce que c'est ça l'héritage de l'esprit de l'homme. Nous sortons de la pauvreté, nous devenons l'intelligence. Et je leur disais, en souvenir, que
dans le monde, dans les vertus que Satan a construit. Son règne provisoire, que sur la base de ces lois que nous partageons là. Parce que vous verrez que même dans le monde où nous sommes, les gens qui occupent des très hautes fonctions dans le règne de Satan, ce sont ceux qui ne se servent pas des éléments. Tout à fait. Pour eux. Oui. Mais pour consacrer les autres à la salle. Vous le verrez. Vous ne pouvez pas occuper une haute fonction dans l'administration universelle, globale, si vous ne connaissez pas les desseins de Satan. Vous voyez bien, c'est comme ça. D'ailleurs, qu'il n'y a pas longtemps, le pape disait que il dit ceux qui concentrent les choses de la terre sur eux, il appelle richesse, ils sont dangereux. Je vous dis. Et assurément, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'en les concentrant sur eux, ils courent le risque d'amener l'esprit humain à aller chercher vers les ennemis, c'est-à-dire sur le Créateur. C'est même là le danger. Oui, mais c'est ce que le pape veut dire. Vous comprenez ce que je veux faire? C'est ça. C'est ça. Le pouvoir, c'est l'héritage de l'homme. Le pouvoir, ce sont les vertus attribuées du Créateur. Quand il investit son peuple de ses attributs, ce peuple-là participe à la gestion de la création. Il participe, parce que c'est le Créateur qui régit. On dit qu'il régit tout par sa parole puissante. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à devenir? La parole. La parole. Oui, pour être gestionnaire de la création. La parole, ce sont les vertus attributs du Créateur. Et tu vois, le langage du pape, c'est le même que François là avait tenu, parce qu'il disait que la vision politique des nations occidentales, c'est de travailler pour la prospérité spirituelle et matérielle de tous les peuples de la terre. Oui, bien sûr. Et c'est le même langage. Bien sûr. Donc nous sommes proches du royaume depuis la venue du Messie. C'est-à-dire quand le Messie vient, c'est-à-dire dans les termes qui sont prononcés dans Matthieu, quand Jean-Baptiste vient préparer le chemin. On dit qu'il vient préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire qu'il vient aider le peuple à reconnaître son identité dans le Messie. À rentrer dans le royaume, parce que le royaume, c'est l'identité du Créateur. Hein. C'est ça le règne. C'est ça le royaume. Et quand Jean-Baptiste, comment il dit? Faites retour. Votre identité vous est apportée demain. C'est-à-dire dans les traductions simples. Le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire le royaume est apporté demain. Votre identité est apportée demain. Mais Satan vient vous dire non, mais c'est impossible. C'est inaccessible. Ce qui vous est apporté demain, c'est l'illusion-là. C'est ça que vous avez apporté demain. C'est ça qui est apporté demain. Oui, il renversait totalement les lois. Parce que quand vous prenez l'homme comme l'esprit, l'esprit est dans le réalisme quand il rentre dans un héritage conforme à son identité. Il est réaliste. C'est un réaliste. Mais si vous orientez l'esprit vers la matière, vous le sortez du réalisme pour le réorienter vers l'irréalisme. Vous comprenez ça, vous? C'est ça. Mais tous ces mots-là sont utilisés pour manipuler les gens. Vous prenez que Blaise a esprit. Pour Blaise, le rationalisme, ce qui est raisonnable, c'est que l'héritage de Blaise, ce sont les vertus du Créateur. L'irrationnel, c'est que tu dis à l'esprit de Blaise que sa richesse, c'est la matière. Tu le sors du rationnel pour l'amener dans l'irrationnel. Mais on a tout renversé. On dit aux gens, quand tu vas vers l'esprit, c'est l'irrationnel. Quand tu vas vers la matière, c'est le rationnel. Tout renversé. L'autre jour, nous partageons, et puis je me posais, tout à l'esprit m'est revenu. En fait, on nous a fait comprendre que chercher Dieu, c'est le néant. Oui, bien sûr que c'est ça. Et puis ça fait, les gens ont peur. Mais les gens ont peur de s'abandonner. Les gens ont peur de commencer. Voilà. Si tu dis à un jeune aujourd'hui, il préfère. Moi, je fumais hier. Ouais. Je fumais. Oui, tu sais, sincèrement, ça ne fait pas un mois. C'est deux mois que j'ai arrêté de fumer. C'est ça. Je disais, Seigneur, donc je vais chercher un si grand héritage pour un bâton de cigarette, pour un plaisir. Et puis on a peur. On a peur d'arrêter. C'est vrai. Oui. Mais c'est la construction mentale. Oui, on a peur de s'abandonner. On a cette peur d'abandonner au maître. On a peur. On se dit, je monte demain. Mais c'est dû au fait que
On nous a enfermés dans la fausse idée de nous. C'est ça le problème. C'est tellement terrible. Oui, tu vois les gens. Mais c'est là. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas s'abandonner. Oui, les gens ils trouvent que tu es méchant. Oui. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment l'entraîner dans ses origines, hein, ils trouvent que tu es méchant. C'est tout ça. C'est fascinant que Cécile, elle parle de Dieu, elle est venue chez nous passer. J'ai commencé à parler justement la parole. Et puis elle était d'abord, elle était ça. Après, elle me dit un jour, depuis que je parle de Dieu, mes affaires ne marchent plus. Oui, voilà. Ça marche, oui, mais là, on ne marche pas le cœur. Parce que ce dont nous parlons là, ce dont nous disons là, c'est que ce que quand vous voyez bien le Messie, il n'est pas devenu ce qu'il est devenu par lui, mais par son Père. Et pourquoi? Parce que le Messie s'est défini, il s'est défini comme et à partir de son Père. Jamais dans son esprit, il n'a pas eu de brouille identitaire. Le problème, c'est que la différence, c'est que nous avons été introduits ici, on nous a conditionnés à penser par Satan. Et Satan nous a enfermés dans les basses régions de notre être. Dans l'illusion. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça le problème. Donc, dès le moment que l'esprit qui est en nous, qui doit fonctionner à partir des facultés que le Créateur lui confère, et qui en fait une entité hors limite. Mais quand l'esprit rentre là, c'est le Créateur qui doit, parce que c'est lui qui vient pour nous doter de ses facultés. C'est lui qui vient. Pour nous doter de ses facultés, c'est lui qui vient. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient vers nous, qui vient nous doter. Mais quand il vient vers toi, mon frère, ce n'est pas seulement pour toi. C'est comme ça. Mais comme nous sommes enfermés dans la fausse idée, la plupart des gens même qui ont peur, parce qu'ils ont non seulement une fausse idée d'eux, mais parce qu'ils ne sont obsédés que du faux eux. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, j'ai une image souvent qui m'intéresse, c'est que quand on voit les enfants que nous avons là, en fait, et si tu as un enfant qui ne se reconnaît plus en toi, ça veut dire qu'il a reçu une avare de chez lui. Et quand on voit bien l'esprit humain, il vient du Créateur. Donc le fait que l'esprit humain ne se reconnaît pas dans le Créateur, ça veut simplement dire qu'il est en doute. Il a été détruit pour en par une autre personne. Parce que ton enfant ne peut pas se reconnaître en toi. Naturellement, les enfants se reconnaissent en nous parce qu'ils demandent de nous. C'est ça. Donc c'est ça la fin du règne de Satan. C'est-à-dire ce dont nous parlons là. Parce que Satan n'existe que à partir des individus programmé à la dépendance vis-à-vis de lui. Si ces individus sont déprogrammés, c'est-à-dire rentrent dans les origines, leurs origines, mais c'est tout. Il n'est plus. Il n'est plus. Et quand on le dit bien, il ne faut pas voir loin, Satan, c'est bien cette institution étatique. C'est lui qui est derrière. Quand tu vois bien, mon frère, par exemple, prends l'exemple du Cameroun. Cameroun, ce sont des millions d'individus qui constituent le peuple camerounais. Ces individus, tu vois bien, donc ce sont ces individus qui sont les piliers de l'État. Les piliers de l'État. Ça veut dire que ces individus, s'ils découvrent leur identité dans le Créateur, retournent vers le Créateur. Tu n'as plus l'État. Tu n'as plus. C'est ça. Partout là. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'inouï. Parce que nous avons pensé que le Créateur nous demande, nous, d'être comme le Messie. Mais non, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient s'établir. Mais il faut que, comme tu le disais, que nous comprenions que nous avons été programmés pour dépendre. Il faut renoncer à ce faux. Voilà. Pour rentrer dans nos origines. C'est tout. Oui, c'est tout. L'homme a peur de rentrer à lui. Mais c'est pas lui, c'est Satan en lui. Ce n'est pas l'esprit qui a peur. Hein. L'esprit en lui n'a pas peur. Le problème, c'est que c'est lui qui est venu occuper l'esprit. Il a étouffé l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est inaudible. C'est lui qui parle, c'est lui qui désire, c'est lui qui voit, c'est-à-dire Satan. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui a peur, mais c'est celui qui est venu l'occuper. C'est pour ça que le Messie disait que quand un homme fort, bien armé, garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui vient, il arrive à le lier, c'est Satan qui est dans l'homme. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas l'esprit de l'homme même qui a peur de retourner, non.
C'est cette conscience-là, cette fausse conscience qui est dans l'homme, cette conscience de mensonge qui est dans l'homme. C'est elle. Parce que c'est elle qui amène l'homme à se définir dans, en elle-même, à travers les éléments du monde. C'est elle. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui se définit comme ça. Mm-hmm. Vous voyez ? C'est elle. Mais ça, c'est la programmation. Programmation dont les hommes, la terre a été l'objet. Nous parlions ce matin, le frère Isaac et moi, que regardez bien le monde, quand vous voyez bien le système. En fait, il n'est, je dis aussi au plan global, hein, planétaire, il n'est régi que par une petite poignée d'individus, une petite poignée, une toute petite poignée. C'est-à-dire qu'on parle, certains parlent dans les statistiques, nous disions que comme ces gens-là ne sont même pas vrais, ils mentent même dans les statistiques. On vous dit 1% de la population mondiale contrôle les ressources de la nature. Quand on parle des ressources de la nature, le naïf ou alors le profane pense qu'on parle que de l'argent. Alors que c'est même l'humain. Voilà. On parle de l'humain, on parle même, on parle de l'ensemble des composants de l'univers. De l'ensemble des composants matériels de l'univers. Parce que notre univers est essentiellement atome. Essentiellement. Donc on parle du temps, par exemple, on parle de mots, on parle des humains, on parle du sol et son produit, on parle de tout. Ça veut dire que ce 1%-là, ces individus, donc ils sont hors. Hors, je dis bien hors, au niveau physiologique. Donc, ce sont des esprits qui sont dotés des qualités de Satan. Donc, par le lien avec Satan, ils ont la position de Satan sur l'ensemble des composants. Mm-hmm. Tout tourne autour d'eux. Bien sûr. Tout. Mais ils deviennent puissants aimants qui attirent tout vers eux. Une forte attraction terrible. Mm-hmm. Tu comprends? Un champ magnétique effroyable. C'est tout tourne autour d'eux. Tout. Donc, si notre esprit ne sort pas de cette sphère, parce qu'il rentre dans les potentialités que le Créateur lui donne, ne peut pas sortir de cette attraction. C'est impossible. Donc, c'est là le mystère. Donc, ces individus, donc, ils ont bien compris, ils ont programmé 10 milliards d'autres individus pour les amener à dépendre de la même centrale d'énergie que eux, ils représentent, c'est-à-dire Satan. Donc, ces 10 milliards sont... Ils sont régis comme tu vois les appareils à l'intérieur de la maison, tu les contrôles à partir d'une centrale dans le compteur électrique. C'est-à-dire tu peux tout disjoncter à partir de la centrale du compteur. Tout est arrivé. Tous les appareils à la maison, tu arrêtes l'alimentation. Et c'est ça le monde. Donc ça veut dire donc que s'il y a des humains là, sur la, des esprits qui prennent conscience qu'ils sont des vases dans lesquels le Créateur doit déposer des potentialités exceptionnelles par lesquelles il a tout appelé, ces gens-là vont participer à enrichir. C'est ça. Et Satan, les démons, l'atome dans son ensemble vont participer à ce service. Mais c'est le Créateur qui vient le faire. Mais Satan vous trompe, il vous dit, mais allez chercher l'argent, si vous ne courez pas après, vous allez mourir. Vous voyez bien. Il sait clairement que dès qu'il vous a orienté vers la main, c'est tout, vous rentrez sous son règne, il vous contrôle. Papa, je vois le riche qui vient dire à Yeshua que comment faire pour hériter le royaume de Dieu. Il lui dit qu'il y a des commandements à observer. Il lui dit que j'ai observé tout cela. La Bible dit que le Père le regardait, le Yeshua l'aimant. Donc, il lui dit que bon, il te reste une chose à faire. Vends tes biens, distribue aux pauvres. Il s'est tourné, il est parti. Donc c'est toujours ce qu'on a entendu. Oui, mais bien sûr. Et dans le fond, ce que le monsieur demande, c'est que, comme les traductions ont tout occulté, hein, c'est que le monsieur demande, parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est ce que le monsieur est. C'est ça. Oui, c'est l'identité. Donc, dans le fond, ce qu'il veut dire, le monsieur, je veux être comme toi. Parce que le monsieur identifie le ça, ce sont ses origines réelles identitaires. C'est pas bon. Je veux être comme toi. Parce que ce monsieur se faisait, il était réputé. Mais à partir des éléments extérieurs. C'est ça. Donc, il avait une fausse idée de lui. Oui. Mais quand il voit lui, il comprend que ça, c'est mon identité. Exactement. Mais le Messie lui dit, pour rentrer dans ton identité réelle, détache-toi de la fausse idée. Tout ce qui est là, c'est de la bouffe. Détache-toi de l'innocence. Mais bien sûr, il était possédé. C'est être envoûté, c'est comme ça. Parce que des fois, on a l'impression que c'est nous qui possédons les choses, alors que c'est les choses qui te possèdent. C'est comme ça. Mais en fait, des fois, on le dit en pleurant. C'est-à-dire que les gens trouvent que tu es criminel, parce que cette voix-là, on la leur présente. Oui, mais c'est ça. Je vais encore prendre des images. J'ai un oncle, il était un grand, il était la rose quand il était vraiment élevé. Oui.
je faisais la comparaison à la spiritualité saine et la spiritualité marcelle. Oui, marcelle, oui. Ils ont la même. Ils avaient le, cet homme était pour cette université ici. Il a, même la lumière chez lui n'avait pas. Voilà. Il n'avait pas besoin de ça. C'est il était détaché de tout. Je vous assure que pour boire du thé, il marchait dehors, il ramassait des papiers, les papiers pour faire son thé. C'est comme sa ça. Femme était ministre, ma tante. Il me demandait que le type s'il est fou. Il a fait tout. Sa femme était. Donc, en fait, était, la femme a été ce que lui voulait. En fait, ce qu'il voulait. Et puis lui s'est détaché de tout. Lui, il s'est concentré sur ça, uniquement pour sa spiritualité. Mais c'est même grâce à sa spiritualité que la femme. Que sa femme a su bénéfice. Si on peut prendre avec bien sûr. Je parle dans ce domaine du détachement. Bon, je pratiquais les arts martiaux. Et puis à un certain moment, je me suis rendu compte que c'est un milieu qui attire beaucoup la prétention. C'est ça. Il y a une attraction. Cette attraction est normale. Oui. Chaque fois que tu montes, j'ai regardé les Jeux Olympiques, le sport, c'est. Le sport est quelque chose qui détruit les jeunes. On ne peut pas voir ça tant que tu n'es pas dans le danger. Le sport, c'est sain. On explique aux enfants que c'est sain. C'est un milieu où lorsque tu prends la médaille, je vous assure, ton père ne vaut rien. Oui. Ton père qui t'a couché. Tu te sens glorifié dans tout ton être. Et plus tu additionnes ces médailles, moins tu auras les difficultés à te détacher de cela. Il y a le gardien de national allemand qui est l'ancien Oliver Kahn. Lui, il a dit un jour, puisqu'on le vignait, il a dit un jour qu'il croyait qu'il est Dieu. Oh là là. Oui. Mais c'est pas lui qui parle. Derrière, c'est pas lui. Je parle au bout du détachement. Mais c'est ça, mon frère. C'est là où, en fait, si vous voulez, ce sont ceux qui dirigent le monde. Et en collaboration avec les démons qui sont descendus, qui trompent les humains. C'est parce qu'en fait, quand tu vois bien pour le Créateur, et c'est vraiment douloureux de le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe là, il y a l'esprit dedans. Cet esprit-là, il sort du Créateur. Cet esprit est l'héritier du Créateur. Le Créateur a tout appelé à l'existence pour la réalisation de cet esprit en lui. Les matériaux à partir desquels le Créateur réalise son antéréalisme réalisent, ce sont ses vertus attribuées. C'est ce que le Messie manifeste. Quand tu rentres dans cette dimension, ce qui se dégage de toi, ce sont des ondes émanant du principe Créateur, ton Père. C'est ça qui exerce l'attraction sur Satan et sur l'atome dans l'ensemble. Je ne sais pas, tu comprends ça. Et Satan le sait. Mais il sait que si l'esprit de l'homme rentre dans cette dimension, l'esprit de l'homme devient Dieu, lui, il devient créature. Mais il faut lui à l'enfermer. Et pour le contrôler, c'est comme ça. C'est tout. Le Créateur ne nous demande pas nous-mêmes de l'imiter. C'est lui qui vient établir son identité. C'est lui. C'est comme ça.